Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons commémorer ensemble ce soir la Pâque de notre Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements. Dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta propre lumière. Au cœur de cette nuit, Seigneur, daigne bénir cette flamme qui brille. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir, Dieu ciel, que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Alpha, première lettre de l'alphabet grec. Oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, est l'éternité. Oui, Seigneur, à toi le temps, à toi l'éternité. L'an de grâce 2012. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Que la lumière du Christ vienne illuminer et réchauffer notre vie pour donner à chacun l'espérance dont il a besoin. Le prêtre va maintenant ouvrir la procession de Pâques en tenant le cierge. Et maintenant, vous pouvez aussi recevoir la lumière du Christ. Thank you.